Ensuite, je suis également en train d'acheter une nouvelle voiture. Et je vois que Samuel m'a répondu sur WhatsApp maintenant au moment où je faisais la story. Donc soit il va me la livrer aujourd'hui, soit il va me la livrer demain. Et ensuite, j'avais quoi? Ça, mardi, j'ai mon tournage avec Shiftech et il faut que j'aille à Évreux revisiter la baraque que je suis parti visiter. Alors c'est pour moi une maison entre guillemets secondaire, ça veut dire que j'ai mon appart à Paris, cette maison-là dans le 92, là ça serait vraiment une maison de campagne vers Évreux, elle est très belle d'ailleurs. Mais je vous la montrerai pas si je ne l'achète pas, ça sert à rien, je vais pas commencer à m'inventer une vie, à regarder comment elle est magnifique si c'est pas à moi, c'est ridicule tu vois. Et puis après, mercredi frérot, mercredi je pourrais peut-être aller chercher la bécane, par exemple, voilà, ça serait beau. Alors la voiture, parce que je sais que vous allez me demander ce que c'est, je vais en faire une vidéo évidemment. Donc je vais, tu sais qu'aujourd'hui j'ai tiré au fusil à pompe. Regarde, j'ai mon bras, celui-là, qui tremble tout seul. Et je suis même pratiquement sûr que je dois avoir le bleu. J'ai pas encore de bleu, mais je pense que demain je vais avoir le bleu ici là. Tu vois? Qu'est-ce que tu veux? Je suis débile, hein, vous connaissez. Donc la moto, je vais vous la montrer tout de suite parce qu'il n'y a rien de très spécial, mais j'en ferai quand même une vidéo. Parce qu'il faut savoir, pour être tout à fait transparent avec vous, la famille, que 211 Motors, c'est des gens que j'aime beaucoup, tu vois. Et ils méritent leur force. Tu vois ce que je veux dire? Ils méritent leur force. Certes, je pourrais payer ma bécane et dire vas-y, merci Salam, tu vois. Mais en vrai, leur faire une vidéo, ça leur apporte de la com et c'est ça qui va les mettre, j'espère, dans la lumière, tu vois. Donc ça, j'en ferai une vidéo. Tout comme la voiture, j'en ferai aussi une vidéo, la famille. Donc là, je vais vous montrer la moto.